Laurent. C'est l'histoire d'un mec né il y a un moment de ça et qui a passé sa vie à faire voyager les foules pour tenter d'illuminer la nôtre. La vie, pas la foule. Alors pourquoi, comment, point d'interrogation, posez vos stylos, rendez vos copies. C'est simple, si vous habitez Boulogne, Manchester, Lourmarin, que vous aimez le rock, le hip-hop, la disco, la techno, que vous aimez danser en fait, alors vous avez dû entendre parler de Laurent. Mais revenons au début. Lolo, c'est un beau bébé, né d'un père forain et d'une mère coiffeuse, rien d'anormal donc à ce que notre petite pomme d'amour chamboule tous les dancefloors qui passent sous sa coupe avec sa sélection au peigne fin. Il est vite plongé dans l'univers de la fête foraine, des boules à facettes et des montagnes russes dont il développe un goût pour les balades intenses, les montées excitantes et les descentes explosives. Très tôt, il mixe donc devant ses peluches et transforme sa chambre en vraie discothèque. Son diplôme en poche, il part faire le pingouin à Londres. Les réceptions de l'ambassadeur sont réputées pour le bon goût du maître de maison. Puis file à Manchester pour une histoire de cœur qui passe à l'as et découvre la folie d'une ville à l'aube d'un été de l'amour, partie 2. Woodstock le retour, avec des hippies rêveurs, pleins d'acide, non plus dans la bouche, mais dans les oreilles. Alors que Thatcher s'obstine à fermer les boîtes à 2h, chez les jeunes fêtards, c'est la course à la perche, celle qui transforme le pire des hooligans en meilleur des bisounours. Et fait de Manchester un vivier de petits poissons aux yeux de merlan frit et aux pistes de danse bouillantes comme des baraques à frites. Ici, à l'Hacienda, DJ Pedro cuisine la foule, la décongèle, la mijote, la cuit dans une marmite en pleine alu. Un fish and chips techno made in UK qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Mais vient l'heure de repartir à Paris, dans l'armée, direction casse départ sans toucher 20 000 francs. Assigné au mess, c'est donc armé de ses disques qu'il mitraille de BPM, les gosses de gradé le jour et les foules dégradées la nuit. De retour en Angleterre, Laurent s'éclate en rave depuis l'outre-Manche, mais il est frappé par la violence d'une révolution déjà pourrie par l'argent des trafics. Il fuit donc à nouveau par la Manche, direction la France à Mitterrand, les 90s, l'Europe sans le mur, un pas dans la musique et l'autre dans le futur. Laurent passe ainsi de la Lune de Paris à l'Enfer de Dijon, du Palace où il rencontre Philippe Corti et David Guetta, à Détroit où il pactise avec Jeff Mills et Robert Hood. Cocorico ? Pour ces deux-là, qui fondent Underground Resistance avec un certain Mike Banks, la techno est alors une musique politique de la lutte des classes, fruit d'une société malade et industrielle. Mais notre Frenchie est un peu plus rigolo. Et pour lui, bien sûr que si, on peut faire de la musique just for fun. La lutte des classes, ok, mais allô, faudrait pas oublier de s'amuser, wake up. Avec Eric, ils fondent le label F Communication, parce qu'après E vient F, E étant l'éducation, bien sûr. Mais on n'en est pas très sûr, car on n'a fait aucune recherche sur sa vie avant de faire sa bio. Le DJ devient compositeur et sort ses propres galettes, avec des morceaux qu'il nomme comme son petit-déj, ou comme la tête du mec qu'il fait souffler en boucle dans son saxo. Il décroche au passage une victoire dans la nouvelle catégorie musique électronique. Prends ça, petit hater réa qui trouve que la techno, c'est du bruit. Et pas de la musique. Il apprend aussi vite à se méfier de la télé. Vous êtes le DJ français le plus connu dans le monde, non ? Je sais pas. Est-ce que les DJ se défoncent beaucoup ? Parce que c'est vrai que la house, la techno, tout ça, c'est quand même lié au... Ouais. Garnier fait désormais ce qu'il veut avec ses cheveux, des oreilles de la salle Playel, aux jambes des danseurs du Bolshoï, du cerveau d'un festival plutôt rock, au cœur de la Légion d'honneur. Nous qui pensions que c'était de la musique de drogués. On a eu beau lui chercher des poux pour éviter la pommade, il est DJ chouchou, peintre des bambochades. Et si c'est un champion pour tous nous enivrer, il mixe ses cocktails pour danseurs mélangés. S'il déteste une chose, c'est la haine. S'il ne tolère pas un truc, c'est l'intolérance. Préférant la qualité à la quantité, et loin d'être simplet, le prof de la techno se fait plus timide, sans pour autant être grincheux. Après avoir fait danser mille et une nuits de ses sillons creusés, après l'électrochoc de ses mémoires sur papier, il se raconte enfin off the record au ciné. It's quite a good time now to make a documentary about my life. Aujourd'hui, Laurent se désespère de voir ses platines prendre la poussière. Lui et ses collègues condamnés au silence à cause d'un virus et du premier flic de France. On peut parfois le voir dans le sud où il fait la cigale. Ou dans le docu sur Manu, il frôle le génie. Manu, pas le docu. Ah bah les deux en fait. Il vieillit donc il baisse un peu la vitesse. Ah, il est comme moi. Car il est comme ça, Lolo. Pionnier du dernier grand genre musical, il squatte toujours le haut du panier. La tête sur les épaules et les mix incontestés. Et chaque année, une nouvelle vague de kids prend sa claque, Garnier. Et il faut que ça dure, parce que danser, c'est aussi bon pour la santé. Une chose est sûre, de Chicago à Saturne, par Aix ou Montpellier, de la house à l'afro ou du punk énervé, Monsieur le DJ n'a pas encore fini de nous faire voyager.